Allez, on va démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes là pour la présentation de Lilian Brassier. Nous allons donc donner la parole au président et ensuite vous pourrez poser quelques questions aux joueurs. À l'issue des petites interviews, nous allons faire la photo et ensuite on libérera le joueur et on passera à la deuxième présentation. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, Lilian. Très content de t'avoir ici parmi nous. Lilian, c'était une recherche qu'on a commencé à travailler depuis longtemps, spécialement même pendant la fin de la saison dernière, pour toutes les conditions qu'il a fait voir pendant les dernières des championnats de Ligue 1. Tu es vraiment quelqu'un qui a des conditions uniques pour pouvoir réussir à très haut niveau. Défenseur central gaucher, qui peut éventuellement jouer aussi sur les côtés gauche dans défense, comme latéral gauche. Beaucoup de puissance défensive, beaucoup de capacité pour jouer avec les duels. Dès le moment aussi qu'on a commencé à échanger avec les coachs, il était dans la liste des priorités du club, indépendamment des différentes options qu'on a pu explorer pour la position d'entraîneur de l'Olympique de Marseille, spécialement parce qu'on considère que ce sont des caractéristiques uniques, peut-être dans les marchés français. Je tiens à remercier la confiance de ta famille, que c'était très important aussi. Ton frère, il a joué une partie importante dans tous ces procès. Ta confiance personnelle, ton envie de réussir ici à l'Olympique de Marseille. C'est quelque chose que pendant tout ce type de procès, c'était important. Et spécialement pour une chose que je tiens à dire, l'ambition que tu as pour venir chez nous, parce que Lilian, il avait des offres des équipes qui jouent la Ligue des Champions, des offres économiques plus fortes, et c'est l'ambition et la volonté de réussite qui t'ont porté ici. Tu vas découvrir une année qui pour nous c'est très important. Cette ambition aussi que ça nous a fait faire des efforts pour ta venue. Je tiens aussi à remercier Stade de Brest pour la disponibilité aussi à trouver une formulation que ça nous permettait à tout le monde de pouvoir faire les dossiers en temps. Ils ont été très professionnels et je tiens à remercier aussi l'attitude de Brest. Bienvenue. Merci, président. Merci. Allez, on va démarrer. Romain. Bonjour et bienvenue, Lilian. J'ai une petite question. J'aimerais que tu me répondes si tu as des anecdotes. Il y a un joueur, un de tes anciens coéquipiers désormais, qui a peut-être milité malgré lui pour ta venue, qui t'a beaucoup parlé de l'Olympique de Marseille. Tu vois, forcément, de qui je veux parler, Hugo Magnetti. Est-ce que tu peux nous raconter le travail qu'il a fait pour te parler de Marseille quelque part et te mettre un peu l'OM dans la tête, même si j'imagine qu'il aurait préféré que tu restes avec lui à Brest? Ouais, du moment où j'ai commencé à échanger avec l'Olympique de Marseille, je lui en ai parlé un petit peu. Je lui ai dit que c'était comment ça se passait, la ville, le club et tout. Et il m'a dit que du bien, il m'a dit que c'est vraiment un club pour moi. Franchement, avec la façon de jouer que j'ai ou même mentalement, il m'a dit que ça correspondrait parfaitement. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre goût. Et voilà, finalement, ça a donné ça. Fabrice. Lilian, bonjour. Pablo le disait un peu plus tôt, tu avais d'autres offres, peut-être plus intéressantes économiquement et sportivement. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de l'Olympique de Marseille? Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à accepter ce challenge-là? Non, clairement, c'est le projet. C'est le projet. Vous savez, une carrière, ça se construit. Donc, j'estime avoir fait le bon choix. Il y a Mehdi qui m'a pas mal parlé au téléphone. J'ai eu le président Pablo aussi. Et le fait de choisir aussi ce coach-là, je ne vais pas mentir que ça a beaucoup joué. Et donc, je me suis vite vu dans ce projet et à long terme aussi. Oui. Au fond. Qui ne me voit pas, ici, là. Ah. Bonjour, Lilian, bienvenue. Romain parlait de Hugo Magnetti, justement, on l'a reçu chez nous en émission. Il nous en a parlé, enfin, il nous a parlé un petit peu de toi. Il nous disait que tu avais beaucoup progressé la saison dernière. Sur notamment ta relance. Ouais. Est-ce que tu as eu le sentiment, toi, d'avoir beaucoup progressé la saison dernière et sur quel point encore tu comptes travailler? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu veux focus un peu ton boulot avec Roberto De Zerbi? Ouais, je trouve que je suis de plus en plus à l'aise sur le terrain, j'ai plus de sérénité, plus de confiance aussi. Donc, j'essaye d'imposer un peu plus mon style de jeu au fur et à mesure. Et après, bien sûr, je vais découvrir aussi, c'est un nouveau coach qui a aussi une identité. Et
qui aime beaucoup jouer au ballon, faire de belles relances. Donc, c'est quelque chose qui pourra que me faire progresser. Bruno. Oui, bonjour Lilian. Bonjour. Bienvenue. Vous parliez juste à l'instant du coach. Ouais. Comment sont passés ces 10 premiers jours-là? Est-ce que ça a été dur un petit peu physiquement? Comment s'est passée cette préparation? Comment est-il sur le terrain avec vous? Que vous demande-t-il? Voilà, est-ce qu'il est... On a vu un peu quelques images, il a l'air très proche et tout, mais voilà, dans l'aspect notamment tactique, on sait que sa philosophie de jeu est particulière. Comment est-il? Ouais. Voilà. Bah, je confirme, il est très proche de ses joueurs aussi. Bien sûr, on a fait quelques tests d'effort qui étaient un peu difficiles. Mais après, par la suite, on a touché beaucoup le ballon et c'est beaucoup d'exigences avec la balle, le placement. Et c'est ce qu'il nous faut, je pense, d'avoir autant de rigueur. Et c'est aussi de l'intelligence de jeu à avoir. Et je pense qu'on va tous progresser dans ce domaine et ça va nous faire du bien. Tristan. Bonjour Lilian, si je ne me trompe pas, vous serez suspendu pour la première journée à Brest. Ouais. Est-ce que ce n'est pas mal pour un bien pour vous, notamment pour la décharge émotionnelle qui aurait pu avoir lieu à Francis Leblay? Non, bah c'est possible, ça dépend comment on voit les choses. Après, ça reste un match de foot, quoi qu'il arrive, donc j'aurais aimé aussi le jouer. Après, c'est la vie, c'est comme ça, donc je pourrais peut-être faire ma première au Vélodrome, donc c'est aussi magnifique. Avi. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Tu étais à Rennes, tu étais à Brest, mais Marseille, c'est spécial, on a dû te le dire, Mehdi ou Fabricio, il y a une belle équipe qui se forme en ce moment au niveau du staff. Et sans Coupe d'Europe, quelle est ton ambition et est-ce que la pression, tu penses y arriver ici à Marseille? C'est spécial. Hein, je veux bien l'entendre, je l'entends, je le conçois aussi. Ça se voit que c'est un club, une ville et un club spécial. Maintenant, comme j'ai dit, ça reste du foot. C'est avant tout un plaisir et je suis là pour montrer de quoi je suis capable. Après, la pression, dans chaque métier, il y a une pression. Comme on a dit, Marseille, c'est spécial, mais je pense être capable d'être à la hauteur et je vais tout faire pour être à la hauteur. Bruno. Vous démarrez votre préparation avec un premier match amical là, ce week-end, ce dimanche. C'est important, voilà, avec le nouveau coach, de passer les étapes les unes après les autres, comme ça, là, voilà, tranquillement, de continuer d'assimiler tout ça. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Est-ce que déjà vous êtes impatient de voir un petit peu ce que ça peut donner, rien que sur un amical? Oui, bien sûr, bien sûr. Puis de retrouver un match à 11, ça fait un petit moment. Donc, premier match amical. On va découvrir, on va essayer de mettre en place ce qu'on a travaillé déjà dans les 10 premiers jours. Et donc, bien sûr que tout ne va pas être parfait. Donc, ça, on va peaufiner tout ça dans les semaines à venir. D'autres questions? Bruno? Bah, attends, on va prendre le micro. Merci. Je reviens sur la philosophie, sur tout ça, sur l'apprentissage qui peut être un petit peu long. C'est vraiment atypique ce que vous demande l'entraîneur par rapport à ce que vous avez connu, à ce que les autres joueurs ont connu. Voilà. C'est assez atypique. Après, comme j'ai dit, ça fait partie de l'intelligence de jeu à avoir. Et petit à petit, ça va rentrer dans la tête de tout le monde. Ça va être des automatismes aussi. Donc après, ça sera naturel. Mais bien sûr, comme chaque chose, il faut prendre son temps et il faut le construire. Tristan. À Brest, si je ne me trompe pas aussi, le rôle du préparateur mental qui vous a beaucoup aidé. Ouais. Est-ce qu'il vous suivra à Marseille aussi? Vous échangerez toujours avec Ouais, j'échange toujours avec lui, bien sûr. C'est quelqu'un de très important pour moi. Et donc, comme j'ai dit, il va me suivre tout le long de ma carrière, je pense. Ouais, bah forcément, parce que comme on a dit, c'est un club avec beaucoup plus d'exigences. Donc il faudra être à la hauteur. Après, c'est un travail qu'on mettra en place aussi avec lui petit à petit. Et ça prendra forme, j'en ai aucun doute. Fabrice. On n'a pas vraiment parlé de tes ambitions avec le club. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont-elles? Bah, dans un premier temps, c'est de montrer de quoi je suis capable. Je suis venu ici pour aider l'équipe. Il y aura beaucoup de stabilité dans les prochaines années. Donc certainement cette année, ça sera de retrouver l'Europe et particulièrement la Ligue des Champions. Donc oui, je suis venu ici avec des ambitions. Je n'ai pas quitté Brest qui joue la Ligue des Champions cette année. Pour ne pas avoir d'ambition, je suis une personne ambitieuse. Donc voilà. Ça va arriver. Merci. Plus d'autres questions? OK. Eh bien, oui, alors une dernière question, vas-y.
Oui, tout à l'heure, Pablo parlait de ton positionnement. Il disait que tu pouvais aussi évoluer latéral gauche. Est-ce qu'avec Roberto De Zerbi, vous avez eu des discussions justement sur ton positionnement? Et est-ce que tu serais à l'aise aussi à jouer plus côté droit dans la défense? Quelle est ta position préférée? Non, ce n'est pas encore quelque chose qu'on a évoqué. Après, c'est vrai que je me suis plutôt concentré sur mon poste actuel, qui est central gauche. Donc, à l'entraînement, je bosse à ce poste-là et voilà. OK, merci beaucoup. On va passer à la photo. Merci à vous. La bouteille vous gêne ou pas ? Par ici ? Ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît, en milieu. Une ici, s'il vous plaît. Merci. Vous me dites quand c'est bon. C'est possible de monter le volume un peu plus haut. OK. C'est bon ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.